Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, mercredi c'est le jour d'Omnium, donc du coup... Excusez-moi, je vais couper le retour du stream pour pas avoir en double. Donc on a pris un petit peu à l'arrache encore plus que d'habitude, et du coup, aujourd'hui je n'ai pas d'écouteurs qui marchent, donc je ne vais pas aller sur le Discord avec les autres, mais n'hésitez pas à rejoindre ceux qui veulent. Donc on est mercredi. Mercredi c'est le jour d'Omnium. Salut Jouf. Alors j'ai pas la starting list à droite, mais bon, on va voir qui démarre. Donc aujourd'hui au tirage au sort, vous savez, hein, les épreuves changent légèrement d'une semaine sur l'autre. Donc on a 4 épreuves d'affilée, ça change pas. La première ça va être un contre-la-montre individuel, donc pas de draft. On va être tous dans le même sas unique. Et du coup c'est ça la première course que vous allez avoir. Assez courte, hein, 4 km 800. Bon, c'est assez court, mais c'est pas non plus ridicule. Deuxième course, juste derrière, on va être séparés dans des sas de niveau contre des bots pour l'élimination. 10 tours du vélodrome avec 3 éliminés par tour. Bah oui. On revient après pour la course 3 où on se retrouve en sas unique pour du Kirin. Et la dernière course scratch cette fois-ci, donc. C'est vrai. Et où on sera de nouveau par sas de niveau. Le but du coup c'est d'avoir 4 épreuves où on se crève bien. Devenir enseignant.gouv.fr. Et mercredi c'est aussi ravioli, comme le lundi, comme le mardi. Des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Donc bonne course tout le monde. Une meilleure humeur qu'hier. Je dis pas que j'ai des meilleures jambes. Mais au moins. Du coup. Pour l'humeur, c'est censé mieux se passer. Allez, encore des gens qui se connectent, c'est pas mal. Renan Balcon, je n'avais jamais vu. Team Foudre, beaucoup de foudre encore ce soir, ça c'est cool. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de RGT, vous nous reconnaissez, hein, on a les maillots bleu, blanc, rouge. Les foudres, généralement, ils ont soit les maillots bleu un peu plus haut, soit le maillot officiel. Non, c'est pas un maillot officiel ça? Non. Mais bon, le bleu là, ça ressemble un peu à la Team Foudre. Et un 3DR aussi. Ça doit être Rob Miller. Donc pas mal de français évidemment, hein, sur l'Omnium quand même. Et mais bon, ça s'internationalise. Et à chaque semaine on bat. Bon, on rentre dans l'hiver, hein, donc c'est normal, il y a aussi des gens qui sont en train de rentrer le vélo à l'intérieur de la maison au fur et à mesure. Mais du coup c'est bien aussi que chaque semaine on bat le nombre de participants de la semaine d'avant. Donc pour l'instant on se lance encore, on va dire, c'est le début de... C'est que la troisième édition sur Indivélo. Si je dis pas de bêtises, la dernière fois, toutes épreuves confondues, on devait être une vingtaine. Là on est déjà 22 rien que sur le contre-la-montre, sachant qu'il y en a qui rejoignent des fois en cours de route. Ils viennent juste pour faire une ou deux épreuves. Allez, on est 11e d'après la prédiction du classement à droite. Ça va être direct tracé violent. Hein. Il y a un tournant qui fait freiner. Ça va faire freiner le plus rapide. Ah bah non, ça va faire freiner tout le monde.
La foule a plus de monde passe. Ça redescend. Ah, ça c'est Ange. Un nouveau RGT de cette semaine. On en remettra une dans le faux plat montant. Grande face. Allez, 2 km. Il est là, le tout dernier smartphone, flambant neuf. Maintenant disponible en gris, gris acier ou même gris clair. Ça, c'est l'innovation. Où est-ce qu'acheter reconditionné sur Back Market et réussir à en faire plus avec ce que nous avons déjà, ce ne serait pas ça, la vraie innovation. Retrouvez le meilleur de la tech reconditionnée par des pros sur Back Market.
Oh. Allez, viens. Ah bon. Ça lance bien l'omnium, c'est bien. Oh la vache. Ouh. Oh. Allez, sur... Nouveau PV sur le circuit, bah ça c'est normal. Ah, je suis pas le seul à me parler que c'est un peu violent comme première course. Oh. Oh. Allez, la prochaine elle est dans 5 minutes 30. Ça sera l'élimination sur le... Sur le vélodrome, vous le voyez, hein, le décompte au-dessus. Il y en a encore deux qui sont sur le parcours. Moi je suis content parce que la moyenne de watts devrait pas être dégueu sur la partie course. Ah salut, salut Julien. Ouais. Ah t'inquiète, je pense qu'on est tous bien. On a bien attaqué là. Alors heureusement. Heureusement ou pas, je sais pas, mais. La course d'après c'est sas de niveau, donc on va être mis avec les. Les bottes de niveau. Du coup, si ta chance, et si t'as pas encore roulé beaucoup sur Indy Vélo, si t'as un classement, un elo un peu bas, tu vas être avec des bottes un peu faciles. Alors, qui a fini devant là? Bon, alors, le niveau de l'elo, j'ai gagné un point de vélo en endurance. J'en avais perdu deux en sprint et un en time trial, donc vraiment j'étais à ma place. Qui a gagné? Ah c'est pas Yann Vanna, je pensais que c'était lui qui était devant. Bruno Percher, bah joli, bien joué à toi. 5 secondes devant. Johan Perreux. Et c'est le belge Yann Vanna qui complète le podium à 6 secondes. Moi je finis à 50 secondes du premier. On a Rob Miller et JD qui font 4 et 5. Après, dans ceux que je connais, il y a Jérôme Collison qui fait 7. Bien joué. Ah bah Jouf, t'es là. Jouf, tu fais 9. GG, 13 secondes devant moi. Simon de Kerpel, on le croise assez souvent. Et Ange, RGT aussi qui fait 50. Secondes, donc ouais, il a fini une seconde devant moi. Et Mitch, ouais, j'ai vu Mitch, je voulais te rejoindre sur le Discord, mais aujourd'hui, j'ai pas les écouteurs qui marchent, donc... Et Silver Park, 3 partout, donc t'es un peu... T'as une petite chance d'être avec des bottes un peu plus faibles, tu vas pouvoir te refaire un petit peu la cerise. Alors attention sur l'élimination, ils partent très fort et après ils explosent. Donc en fait il y a, il faut vraiment s'accrocher plus dur que ce que tu peux, tout ce que tu peux les 4 premiers tours si tu peux. Ouais mais ça c'est bien, l'élo est bien fait dans le sens où là les gens qui sont avec nous, les premiers là, ils ont déjà un niveau platine sur le jeu. Du coup même moi, si je finis derrière eux mais pas trop loin derrière eux, ça prend en compte ta perf, c'est bien fichu. Si tu perds par contre contre un mec très mal classé, c'est normal, tu vas perdre de l'élo donc de ce point de vue là c'est pas trop mal. Alors, attends. Je vais rappeler les règles, hein, parce que sinon il y en a qui vont se faire avoir. Il y a 3 éliminations par tour. Et il n'y a pas de tour neutralisé, on peut pas encore faire ça. Il n'y a pas de, donc pas de tour neutralisé. Espèce attaque des faibles, oui, bah c'est ça.
Salut Housedy. Merci d'ailleurs pour le follow, j'ai vu qu'entre les streams, il y en a qui ont follow la chaîne, c'est cool. Ah, je... Là, au moins, tout le monde est unanime. La première épreuve, elle était horrible. Le contre-la-montre. Ton visage de à froid. Oui, ici, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et tu penses à quoi? À passer le concours pour être professeur. Ah bon? Oui, un nouveau challenge, un nouveau métier qui a du sens. Ça me plairait d'utiliser... Et donc, il y a 3 éliminés par tour. Les aider à prendre confiance, s'épanouir, trouver leur voie. Ah ouais, comme je te comprends. Et dis-moi... 3. J'ai dit 3. Inscrivez-vous au concours sur devenirenseignant.gouv.fr. Éducation nationale, des femmes et des hommes. J'ai écrit 2, mais c'est 3. 3 éliminés par tour. Ceci est un message du gouvernement. Le point n'aide pas, bah je sais pas. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de pentes non plus hein, sur le circuit d'avant. Là, sur celui-ci, encore moins hein, de pentes. Mais... Sur la course scratch, il y a un peu plus de dénivelé. Alors par contre, oui, un truc que je vois par rapport à RGT, c'est que quand t'es grand, comme la taille ici, elle est prise en compte, bah quand t'es grand, tu souffres beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus, en tout cas. Parce que je suis pas très lourd pour ma taille, mais je suis très grand. Enfin, je suis plus grand que la moyenne, on va dire. Je suis 1m90. J'ai la chance d'être léger par rapport à mon poids, je fais que 75 kg. Bah c'est... Bah tu rigoles, mais je pense que par rapport aux Français qui sont là dans la course que je connais, c'est assez grand. Alors peut-être pas par rapport aux Norvégiens. Ça dépend par rapport à qui tu te compares. Alors je suis SAS 3. Ah bah je suis avec toi, Jouf. On est SAS 3 tous les deux. JD, il va nous mettre la misère. Il y a Théo Pugin. Bon, il y a pas mal de, il y a pas mal d'humains là, c'est cool. Alors, j'ai pas vu combien il y avait de peine, mais il y avait de sas. Bon, le jeu était sympa, il m'a mis sur la première ligne. Oula, il y a du vent. Il y a même beaucoup de vent. C'est la première fois que je vois autant de vent. Oh non! Ah, aïe aïe aïe! Ça part tellement fort à chaque fois! Allez Théo! Allez Théo, accroche! Ah, ça va être dur! Il y a les 3 qui sont décrochés là!
le premier tour, il est facile. Et après, c'est... Sauf qui peut. Donc là, Théo, il va comme moi passer à la trappe. Voilà. Alors, devant, qui est-ce qu'on a? Et on a Jouf. Ah, c'est bon, Jouf. C'est bien. Allez. Allez, Jouf, t'es dans un petit groupe de 6. Donc tu peux encore te sauver un tour. Vas-y. Il faut battre les bots, hein. Il n'y a pas que les humains qui comptent. Pour le classement général, hein, c'est pour les lots. Et les, ceux qui jouent tout, là. Bien joué, ça. Et Jouf, en plus, il a la petite carotte, là, devant lui, là. Pour bien se faire mal. Il a un petit groupe devant, là. Oh, JD éliminé. Ça, c'est beau. Belle perf, hein, pour l'instant. Et là, du coup, ouais, c'est ce que je disais. Les bots, ils explosent petit à petit. Donc là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Attention, ne te fais pas remonter. Ah, c'est bon, t'es safe. C'est bien, c'est bien. Allez, il n'y a plus grand-chose. Le groupe de tête, il est deux secondes devant. C'est bon, si t'as survécu à la tempête des premiers tours... Après, t'es pas tranquille non plus, mais... Mais c'est beaucoup plus jouable. Est-ce qu'il y a encore d'autres humains? Je suis pas sûr. Ouais, j'ai la même plainte que le mec. Non. Ah oui, alors du coup, le mec à gauche, là, dans le chat, il se plaint de la même chose. Quand je me suis déjà plaint. C'est que. Ça enlève pas les éliminés du décompte. Du coup, quand il te dit t'es 13ème, il te dit t'es 13ème sur 30. Même si. Il y a plus que 24 mecs en piste, par exemple. Ah, attention Jouf. Il est pas éliminé, hein. Il en peut plus. Il en peut plus, il a tout donné. Il a tout donné. Il va du coup nous faire une jolie 6ème place. Ok, il nous reprend à 16 places d'avance, donc 16 points. Je vais passer le concours. Juste sur cette épreuve au classement général, du coup. T'es passionné. On a le dernier tour ici. Transmettre, travailler en équipe. Bah oui. Et puis j'aime l'idée. Ça, je pense que c'est des bots. Des jeunes, de faire un métier motivant et. D'ailleurs, ça se voit, hein, ils sprintent plus. D'ailleurs, toi aussi. Ils sont à. C'est vrai, ça. À watt constant. Plus que quelques jours pour vous inscrire au concours sur devenirenseignant.gouv.fr. Le mec avec 100 watts de moins, avec la spi, va le dépasser. Mais il se joue même plus. Ça c'est un peu bizarre, on l'a déjà reporté au dev. Sur la partie élimination, les bots sont un peu bizarres. Ils partent à fond, ils utilisent toutes leurs cartouches. Et après ils explosent. Et ils sont en mode récup à watts constant. LR. Là, on se retrouve sur le Kirin. Donc, c'est 1500 mètres neutralisé. Et il y a deux tours. Il y a deux tours après. Ça variera. Hein. De temps en temps, il y a un tour. De temps en temps, il y aura deux tours. De temps en temps, un tour.
Et Kirin, tu dis adieu. C'est quoi ton nom in-game du coup, House D? Ah, Grégor House D, ok, ok. On était pas dans le même sens du coup. Du coup, il démarre à 25 km/h. Et il va nous lâcher. Quand il nous lâche, il sera à 45 à l'heure. Donc, les gens ont un peu de mal à rester derrière. Point de côté. Ah ouais, ok, c'est pour ça que je me demandais. J'avais vu que t'avais ralenti. Mais ouais, t'as fait une sacrée place en tout cas, c'est cool. Mais ouais, j'arrive pas à survivre à la tempête, moi, de mon côté. Il m'éjecte au deuxième, troisième tour. Oui. Ah bah en plus, non seulement c'est ça, mais en plus elle est en mode random. Ah là j'ai 5 minutes, je vais essayer de... J'ai bien dit est-ce que je vais y arriver? Non, je vais pas essayer. Je vais mettre les écouteurs. Tant pis, je vais le faire sans. Désolé pour l'absence de Discord cette fois-ci. Vous n'entendrez pas Antoine râler. Et bonne chance à tous, mais surtout à papa. Allez, on est 21 de nouveau là sur le Kirin. Donc cool. Sachant que... Alors comment ça marche déjà les points? Les points quand on est avec les bots, c'est 30 points pour le premier, 29 pour le deuxième, etc. Et le dernier qui passe la ligne, donc le dernier, il a un point pour le classement général, hein, je parle. Et quand on est regroupé en sas unique, c'est 50 points pour le premier. Et après les points, ça va de 2 en 2. 48 pour le deuxième, 46 pour le troisième, etc. Je fais ça exprès parce que du coup, j'ai vu la semaine dernière, ça marchait pas mal. Ça permet que comme ça, les forts qui se tapent les bots plus forts dans leur course, ils soient pas trop pénalisés. Et du coup, sur des épreuves comme ça, quand les, entre guillemets, moins bien classés ou les plus faibles, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, vu que j'en fais partie, ça me, chagrine pas. C'est normal qu'ils nous battent, et du coup c'est sur ces épreuves-là qu'ils sont censés nous exploser et nous mettre des points d'écart au classement général. Si nous on arrive à faire une surprise, on arrive à être bien classé après au classement général. Ça me permet à moi de faire un classement général de l'Omnium où tout le monde est sur le même classement. Les premiers comme ça, dans les premières divisions les plus forts, sont à peu près en haut du classement, naturellement. Donc moi ça me va, c'est pas parfait. Mais c'est vraiment trop pénible pour le coup, je vous avoue, de faire un classement par sas différent. Alors non, il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas tenter le coup du kilomètre comme la dernière fois. Le premier, c'est parce que je l'ai réussi une fois et que ça me suffit et je vais pas me faire mal comme ça à chaque semaine.
Et de deux, vous l'attendez tous. Donc je peux pas le refaire pendant 3-4 semaines, là, je pense. Blague à part, je pense que c'est ma plus belle... Alors déjà, c'est ma plus belle place toute course e-cycliste confondue. J'ai pas dû faire beaucoup de victoires en division 1, même quand on n'était pas beaucoup à l'époque de RGT, tout ça. J'ai pas dû faire beaucoup de premières places. En division 2, j'en ai fait quelques-unes, mais en division 1, avec tout l'effort, j'ai pas dû en faire beaucoup. Et en plus, elle était assez sympa. Ah, le coefficient par peine, en plus, il est horrible, parce que c'est multiplicatif. Donc en plus, il a enlevé, je sais plus... J'ai vu que Martial, quand il faisait, quand vous aviez fait des Omnium Foudre, il faisait un genre 0, je sais plus, 0,8, on va dire, à chaque peine. Mais comme c'est multiplicatif, au bout du troisième ou quatrième peine, t'as maximum un quart des points du dégât qui court dans le premier sas. Donc, autant ne pas faire de classement regroupé, on va dire. C'est vrai, ça. On peut encore s'inscrire, tu crois? Inscrivez-vous au concours sur devenirenseignant.gouv.fr. Éducation nationale, des femmes et des hommes. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a très peu, il n'y a pas de vent du tout, ou très peu de vent sur cette épreuve. Et pareil pour le scratch, je crois qu'il est faible, le vent. Mais je dis ça de mémoire, donc ça coûte rien de vérifier. À jour, comme d'habitude, t'es juste devant moi. Hein. T'es censé être juste devant moi à chaque fois au classement et à chaque fois tu m'exploses de loin. Pour ceux qui regardent là pendant 30 secondes, avant le départ, quand vous êtes classé, à droite, le classement vous donne votre place, genre le classement selon l'élo des gens. Donc là, d'après IndyVélo, je suis censé, si tous les classements sont respectés, être 10e de la course. À l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il y en a qui sont mal classés parce qu'ils n'ont pas encore roulé beaucoup sur IndyVélo. Donc on se fait battre par ces gens-là. Donc je pense que je vais être plus près de la 15e place que de la 10e. Mais le but est évidemment de faire mentir les chiffres. Donc là, le pacebot, il part à 20 à l'heure. Hein, donc ça, tous les gens qui se lancent à fond, là, ils vont se faire freiner. Même pas, 16 à l'heure. Hein. Donc, Et après, il accélère tranquillement. Là, on va rouler à 20. Au bout d'un tour, on va rouler à peu près à 30. Donc, il n'y a pas de vent du tout. Voilà, 0 km/h. On a la réponse, donc il n'y a pas de vent. Il y a 10 personnes sur le live, c'est bien, ça me fait plaisir. Alors il y a beaucoup de gens qui participent à la course qui sont ici pour discuter aussi un petit peu. Mais c'est bien, ça me fait plaisir. Alors pour ceux qui rejoindraient en cours de route, bienvenue, c'est l'Omnium. Du coup, l'Omnium, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est 4 courses relativement courtes qui s'enchaînent. La première, on a fait un contre-la-montre individuel. La deuxième, on a fait une élimination. C'est-à-dire qu'on est sur le vélodrome et à chaque tour, on élimine les 3 derniers qui passent la ligne. Là, vous êtes sur la 3e épreuve qui est le Kirin. Donc vous avez un Pacerbot devant, le fantôme blanc, qu'on n'a pas le droit de dépasser. Qui accélère au fur et à mesure. Au bout d'un kilomètre et demi, il va nous lâcher à fond. Et on a 1 km de course à fond, comme sur piste, hein, au JO et tout ça, il y a la même épreuve avec un petit mec sur une petite mobilette. Et la dernière épreuve, ça sera une course scratch un peu plus classique, on va dire, quand on sera déjà bien cassé. Donc c'est du fractionné assez intense. Donc là, on se méfie quand même, ça accélère. Là, vous voyez, le peloton, il est déjà passé à 30 à l'heure. Hein. Donc on a encore un tour derrière le Pacerbot, et puis il va nous lâcher
Salut Antoine, à ma droite. Antoine, l'organisateur de la classique du jeudi. Toujours sur Indivélo, hein, du coup, le jeudi à 18h45. Il faut pas partir de trop loin. C'est dur de remonter les rangs. Et là, typiquement, quand vous battez des forts, vous faites le plein de vélo. Bien joué Jérôme aussi. Deuxième place, c'est JD, premier. Voilà, on a réussi à... Là, j'aurais pas pu mieux courir. J'étais à la fois pas bloqué dans un groupe, tout en ayant le draft maximum. Donc j'ai démarré le sprint en étant déjà devant, sans avoir pris de devant du tout, donc... Ouais. Ah, je suis content aussi. Ah, bien joué, ouais. Cinquième, c'est bien. Ah, j'ai vu l'arrivée, on a tous passé... Rien que dans le... On va appeler ça le peloton. Sur le dernier tour, ils l'ont roulé à plus de 50, donc ceux qui ont emmené le groupe... Moi, j'avais le draft, mais ceux qui ont emmené le groupe, ils roulaient comme des malades. Et le sprint, on l'a passé à plus de 60. Je sais pas combien le plus rapide a fait. Mais quand j'ai passé la ligne, j'ai vu qu'on était à... Moi, j'étais à 63. Alors là, les participants, c'est écrit 25 au-dessus, mais je sais pas s'il y a que des humains. Peut-être, hein, c'est possible. Mais comme il y a des sas de niveau de 30 participants dans chaque sas, je sais pas si on peut faire confiance aux places qui sont écrites à droite. T'as plein de courses Indivélo derrière toi. Tu dois être le coureur avec les lots le plus fiable. Au début, je m'étais dit le plus faible. Non, pas le plus faible, t'es au milieu. Mais non, le plus fiable. Ok. J'ai regardé l'autre fois, j'ai été surpris. Alors, j'ai fait un peu de group ride de temps en temps, mais bon, pas assez. J'ai pas fait assez de courses tranquilles
les derniers mois, je fais... Vous voyez, de toute façon, en stream, tout ce que je fais, c'est beaucoup de contre-la-montre par équipe. Donc c'est très intense et très, malheureusement très court pour moi. J'ai tendance à lâcher un peu tôt. Les mecs de l'équipe sont beaucoup plus forts que moi, donc je lâche un peu vite. L'Omnium. Et la course du samedi matin. Du coup... J'ai 800 km sur Indy Vélo. Qui est énorme, vu que les épreuves sont relativement courtes. J'ai été étonné, alors... Je sais qu'on roule vite sur Indy Vélo, mais quand même, c'est-à-dire qu'en termes de course, j'ai déjà dû en faire un paquet, au moins 50. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, sur Indy Vélo, sur le profil en bas, c'est en gris clair, là où c'est neutralisé par un PacerBot. Vous voyez les premiers, alors je sais pas, on va dire les premiers 1200 mètres là, sont neutralisés. Ça passe 3 sur 7 de mon côté. Ça passe 4 pour Julien. Ça passe 7 pour Housby. Est-ce que j'ai Jouf à côté de moi? Évidemment, et toujours à une place d'écart alors qu'on est 30 dans le pen. Ah, par contre, JD, non. JD dans notre sas, c'est la mort assurée. Il est trop fort. Et Théo aussi, on aurait été souvent avec lui ce soir. On tenait au moins 4 humains. Devant et derrière, on voit pas. Il est là, le tout dernier smartphone. Flambant neuf. Maintenant disponible en gris, gris acier ou même gris clair. Ça, c'est l'innovation. Où est-ce qu'acheter reconditionné sur Back Market et réussir à en faire plus avec ce que nous avons déjà, ce ne serait pas ça, la vraie innovation. Je t'ai vu, Jou. Tu t'es fait avoir au départ. T'as cru que t'étais lâché, du coup t'as accéléré. Alors c'est facile de voir les humains. C'est ceux qui sont à voir là, voilà. Et elle est... Donc il y en a 1, 2, 3, 4. On est 5 humains, Vincent Masse aussi, c'est un humain. Tous ceux qui se sont fait avoir par le Facebook, c'est des humains. Alors c'est Scratch, hein. Il n'y a pas de points aux arches. C'est le classement à la fin qui compte. Le vent est modéré. Donc il n'y aura pas trop de problèmes. Le seul problème, c'est que les bots sont prêts et que nous, on a déjà fait 3 courses avant. Alors c'est pas les mêmes genres d'efforts, mais justement, c'est peut-être pire parce qu'on a déjà bien usé les jambes. On a les cuisses déjà bien lourdes. Et la fin du bot neutralisé, c'est, vous allez le voir juste après là, il y a des flammes blanches sur le côté et une ligne blanche par terre. Et c'est là où le bot, le pacer bot nous lâche. C'est pas ici, ça c'est le début du tour. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir le graphe des efforts, hein. Moi je le regarde absolument pas, mais si ça vous amuse, je vous le mets.
Là, vous voyez les flammes, là. C'est ici qu'il va nous lâcher. Pour 20 km de bonheur. Par contre, te faire freiner juste avant qu'il nous lâche, c'est pas forcément le meilleur plan. Allez, ça attaque direct. Et JD est parti devant. On aura mis juste ce qu'il fallait. Pour ne pas laisser partir gratuitement les humains. Désolé, un jour. Là, c'est le calme avant la tempête. C'est le tour des loups là, pour ceux qui connaissent. JD qui repart devant. Je sais qu'il est capable de tenir tout seul devant le peloton. Mais tout seul, il se fatigue quand même bien. Allez, à partir d'ici, ça va ballonner.
Alors, t'envisages de changer de voie ? Oui, ici j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et tu penses à quoi ? À passer le concours pour être professeur. Ah bon ? Oui, un nouveau challenge, un nouveau métier qui a du sens. Ça me plairait d'utiliser mon expérience pour éveiller la curiosité des jeunes, les aider à prendre confiance, s'épanouir, trouver leur voie. Ah ouais, comme je te comprends. Et dis-moi, on peut encore s'inscrire ? Plus que quelques jours pour vous inscrire au concours sur devenirenseignant.gouv.fr. Éducation nationale, des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Ceci est un message du gouvernement. Ah, désolé, mais l'effort quand même. Bois bien. Pas de soucis. Je sais bien, il y avait du monde. Content que ça plaise. Je suis en train d'exploser aussi, moi. J'essaie de gérer, mais... je suis pas assez explosif sur les boss.
Allez, on a toujours notre petit groupe. Là, c'est bien, on n'est pas tout seul. Alors, donne-le au relais. Oui, alors le lien. Attends, le lien du Discord, je peux te le donner. Regarde, ici, en live. Du coup, la team RGT, c'est multiplateforme. La grande majorité est sur Indievélo. Il y en a qui font aussi Zwift, notamment la RFC, un peu de MyWish, etc. Il y a des contre-la-montre aussi par équipe, si vous voulez, si ça vous tente sur Indievélo. On n'est pas loin d'avoir deux équipes. Et bien parfait. Alors d'habitude on se met en vocal, je pense que la plupart sont en vocal là ce soir. Et moi j'avais des problèmes d'écouteurs. Ah, tous les humains sont devant. Je vois Lou, je vois JD, Vincent Mass. Là, c'est parfait, là, le petit peloton, là. On a un petit rideau devant nous qui nous protège du vent. Le seul problème, c'est qu'on est en train de dire au revoir au groupe de tête. Ils sont 40 secondes devant du tout maintenant. Ils sont beaucoup? Ah oui, ils sont beaucoup quand même. Ah bah ils sont 13, oui. Oui, eux non plus, ils sont pas en file indienne.
Allez, on va en train de manger notre plein blanc là. La petite zone de transition. Parce que dans 2 km, c'est fini la rigolade. Ça va s'attaquer de partout. Dis donc, tu sais ce que tu fais après ton master? Oui, je vais passer le concours pour être professeur. Ah, ça t'irait bien. T'es passionné, t'aimes te sentir utile, transmettre, travailler en équipe. Bah oui. Et puis j'aime l'idée d'éveiller la curiosité des jeunes, de faire un métier motivant et important pour la société. D'ailleurs, toi aussi, ça t'irait bien. C'est vrai, ça. On peut encore s'inscrire, tu crois? Inscrivez-vous au concours sur devenirenseignant.gouv.fr. Éducation nationale. Des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Ceci est un message du gouvernement. Il y a Philips, Moré Philips. Il a tenté d'anticiper les boss là, mais. Ça s'explose devant, on voit les groupes qui s'explosent. Mais c'est un bot ou un humain, Maurice Philips? Je regarderai après, mais... Le rythme est complètement irrégulier. Une fois devant, une fois derrière. Et repasser devant.
Allez, moins de 5 km. Là, on va retomber sur le circuit qu'on a fait tout à l'heure, en contre la montre. Et pendant qu'il fait freiner ici, on le connaît. Je sais pas contre un petit relais là. Alors, t'envisages de changer de voie ? Oui, ici j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et tu penses à quoi ? À passer le concours pour être professeur. Ah bon ? Oui, un nouveau challenge, un nouveau métier qui a du sens. Ça me plairait d'utiliser mon expérience pour éveiller la curiosité des jeunes, les aider à prendre confiance, s'épanouir, trouver leur voie. Ah ouais, comme je te comprends. Et dis-moi, on peut encore s'inscrire ? Plus que quelques jours pour vous inscrire au concours sur devenirenseignant.gouv.fr. Éducation nationale, des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Ceci est un message du gouvernement. Thank you.
Pas les couillons. Alors, moitié content, moitié pas content. Oh. Moitié content parce qu'on a repris le groupe devant. Donc, on a repris les deux devant. Et on s'est fait reprendre par les six derrière. Du coup, au total, c'est pas vraiment worth it. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Bon, tout ça, en tout cas, c'est des très bons efforts. Hein. Rien de tel qu'une petite course pour se motiver. Oh, GG à toi. Hein. Du coup, t'as tenu avec le groupe de tête. Ah non, il y a un petit écart, mais je pense que t'as tenu longtemps avec le groupe de tête. GG pour la 9ème place. Gilly, il monte. Hein. Il en est au début de ses courses sur Indivélo. À chaque Omnium, il monte d'un sas. Il était sas 4. La semaine dernière, là il est en haut du SAS 3 cette semaine. La semaine prochaine, je suis sûr qu'il est en SAS 2. Oh oui, c'est ce que, de toute façon, c'est ce que je disais aussi en début du live. J'étais de meilleure humeur aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, dans les deux cas, je suis monté sur le home trainer 10 minutes après la dernière réunion du boulot. Ça fait deux jours d'affilée que je suis full réunion et documentation technique à rédiger, tout ça. Et genre, tu le sens. Hier, je suis monté, j'avais pas envie plus que ça de rouler. Enfin, je voulais me faire mal, mais la tête a lâché, en fait, c'est surtout ça. C'est pas que je veux pas me faire mal, je veux, mais la tête, je sentais que la tête allait vite lâcher. Alors que ce soir, j'avais un peu plus la niaque de bien faire. Genre de me vider moi. Et c'est même pas par rapport à vous ou par rapport aux bots ou quoi. C'est le fait de lâcher et de faire un bel effort où tu sens que t'as vidé la batterie. Et aujourd'hui j'y suis arrivé et c'est cool. Le truc que je dois inclure un peu plus, bah, du coup dans mes séances en ce moment, c'est un peu plus de séries longues, tranquille. De la zone 2 en pacer. Pendant 1h30, 2h. Pour refaire un petit peu l'endurance. km sur l'appli. Bah, je vais regarder, mais je dois être à peu près dans les mêmes eaux, genre 300 km près, on est du coup dans les mêmes eaux. Du coup, le premier, il a fait 253 watts de moyenne. Oh, ça va encore en vrai. Toi, t'as fait 234 watts de moyenne, GG. Qui en avait aussi? Théo, je l'ai vu. Encore un mec de l'Union Cycliste de Thonon. Je l'ai vu lâcher à un moment donné, puis il s'est raccroché, il est revenu et il a fait deuxième. Donc GG à lui. Peut-être léger, peut-être que la boss l'a remis dedans sur la fin. Vincent Masse, 232 watts de moyenne, donc à peu près comme toi. Et moi derrière, j'ai un peu plus sucé les roues sur le plat. Donc voilà, 224 watts de moyenne derrière. Donc il y a... Vous me mettez 1 minute 45 quand même, alors que j'ai pas du tout lâché. Donc il y a un sacré écart quand même. J'ai pris un bon petit pet. Bon dernier du SAS 4. Oui, mais il y avait 7 SAS. Donc t'es pas du tout dernier et t'as fait les 4 courses. Donc les bots qui sont, même les bots qui sont avec toi, ils sont bien frais hein, pour le coup. Offre soumise à condition après remboursement sur demande. Je ne sais pas. Pas, bonne question. Vu que moi je dirais que c'est que les watts sur la course parce que puisque t'as l'écart en temps ici, donc je pense que c'est de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Mais au pire, si tu veux le vrai total, tu peux le regarder sur Strava en sélectionnant du coup le. En sélectionnant la bonne période. Et du coup tu vois ouais, 840 km de mon côté déjà fait sur Indivélo. Donc pas mal du tout. Bah tu vois, tu disais que t'avais fait 3 semaines sans vélo. Ouais, mais... mais t'as peut-être encore un fond de caisse plus important que nous.
Du coup, je vais exporter tous les fichiers ce soir, mais ce soir j'ai un truc derrière, donc je suis pas sûr de publier le classement ce soir, je le ferai peut-être demain matin. Je le mettrai comme d'habitude sur les Discord. Pour la petite pub pour ce qui est à venir, demain à 18h45, il y a la classique du jeudi qui est organisée par Antoine, que vous avez vu tout à l'heure sur l'Omnium aussi, donc 18h45, la classique du jeudi demain. Et de mon côté, en live, je sais pas si je fais un live autre, mais pour ceux qui aiment le vélo, du coup vous me retrouvez samedi, il y a l'Heroica, d'ailleurs les foudres, si jamais vous êtes quelques-uns de motivés, il y a l'Heroica qui a commencé la semaine dernière, ça dure 6 semaines, c'est le samedi, c'est des courses relativement longues, c'est assez sympa du coup, la semaine dernière par exemple c'était 40 km, le niveau est vraiment relevé, il commence à y avoir du monde, il y a à la fois classement individuel, qui prend le meilleur des 4 résultats sur les 6 semaines, donc même si vous avez loupé une semaine c'est pas grave, vous pouvez toujours prendre en cours de route, et vous avez même encore un joker, on va dire. Et il prend aussi un classement par équipe. Du coup, les deux meilleurs de chaque équipe rapportent des points à l'équipe. Et du coup, c'est de la même manière. C'est meilleur 4 semaines sur 6. Donc, j'ai vu qu'il y avait la Team React la semaine dernière à aligner des coureurs. La Team RGT, nous, on y était. Donc s'il y a des autres équipes françaises, genre s'il y a des FFZ aussi qui écoutent ou quoi, qui veulent aligner, ça peut être sympa. Et je semi-spoil déjà, mais on prépare aussi un événement qui sera un peu dans ce délire-là de... On veut pas faire de manière de rivalité, on va dire, entre équipes, mais de faire un truc un peu pour faire connaître les équipes françaises, les différents Discord et tout ça. On va essayer de faire un event équipe contre équipe tout début d'année 2024. C'est pas si loin, hein, c'est dans 2 mois. Mais vraiment en mode, vous savez, les épreuves Team Scratch ou Team Point. Donc du coup, tout le monde aura le maillot officiel, etc. Et les classements qui seront affichés, tout ça, ça sera directement par équipe, sans classement individuel. On en reparlera, évidemment. Il y a déjà des équipes avec qui on est en contact pour s'organiser ça. Donc voilà. Ouais, bah, de toute façon, vous verrez sans doute passer un message. Je passerai dans le truc, et puis ceux qui sont intéressés et qui veulent venir participer à ça, n'hésitez pas. Chouchou, bonne soirée à tout le monde, comme d'habitude. Prenez soin de vous, physiquement et mentalement. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne soirée et restez curieux. Foudre en sera si Foudre se motive. Oui, bah du coup c'est pour ça que j'en parle un peu là, comme ça si vous voulez le faire, de toute façon dans Indievélo vous êtes déjà marqué comme Foudre. En fait c'est ça qui est bien sur Indievélo, t'as pas besoin d'avoir un coach ou un manager qui t'inscrit. Puisque t'as déjà ton tag, moi par exemple j'ai le tag Team RGT, t'arrives sur l'événement, l'organisateur voit déjà que t'es RGT. Si toi t'arrives avec ton tag, par exemple, si tu veux courir sous les couleurs Foudre, t'arrives comme Foudre, et bah tu comptes déjà comme Foudre. Donc si par exemple on prend les deux meilleurs coureurs le samedi matin, l'Heroica là par exemple, si j'en sais rien moi, Jouf et Angus vous venez sur la course, bah Foudre aura une équipe et aura des points parce que vous comptez automatiquement pour l'organisateur en tant que Foudre. Donc c'est ça que j'aime bien sur Indievélo, y a plus besoin de passer avec des formulaires pour t'inscrire, etc. Donc ça c'est cool. Voilà. Chouchou, merci encore beaucoup d'être passé, c'est cool, je vois que ça prend en plus, il y avait pas mal de monde à la fois dans les courses et puis des gens qui rigolaient et qui se faisaient mal ensemble, donc c'était cool. Chouchou, bonne soirée, salut. Thank you.